Salut les anciens! Salut tout le monde! On se retrouve une nouvelle fois pour de l'ouverture de cartes Pokémon. Et ça y est, on a réussi à mettre la main sur des tripacks. Oui. Donc 4 tripacks Astre Radieux. Ouais. Donc la nouvelle extension Pokémon, donc épée et bouclier numéro 10. On va avoir donc 2 tripacks et 2 boosters chacun à ouvrir. Donc c'est pas trop mal, ça nous fait quand même 8 boosters chacun à ouvrir. Belle extension avec pas mal de jolies cartes. Toujours le même principe, on a les trainer galeries. Oui. Donc c'est à dire que sur l'avant-dernière carte, à la place de la reverse, ben, on peut encore avoir une dinguerie. Il n'y a pas que la reverse, que la dernière peut être une ultra. Donc ça c'est cool. Il y a pas mal de très belles cartes, surtout que c'est beaucoup d'illustrations tirées du jeu Légende d'Arceus. Et vous verrez que même les communes sont très très belles. Ouais. On a chacun pris du coup 2 tripas qu'on a choisi nous-mêmes. Et les boosters aussi. Et du coup, on pourra voir à la fin qui a gagné. Au niveau des ultras à peu près, qui a tiré le plus de choses. Qui a gagné? Très certainement madame, comme d'habitude, on va pas se mentir. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence à ouvrir? Non, tu commences, moi je prends mon tripas, comme ça c'est fait. Hop. Tout à l'heure. T'as ouvert quoi? Ah, mais t'as ouvert Nymphalie, parfait. Comme ça, moi j'ai ouvert Evoli. On va pouvoir montrer les petites promos parce qu'elles sont quand même très jolies. Donc, dans le premier tripack que moi j'ai ouvert, donc on avait cette magnifique promo de Evoli. Ils aiment beaucoup mettre des Evoli et évolutions en promo. Ça me dérange pas. Nymphalie, elle est magnifique. Elle est trop cool. Trop contente. Non, trop classe. En termes d'illustration de booster, moi j'avais un C3 là. Du coup, moi qu'est-ce que j'ai? Toi, Typhlosion, Arceus et. Non, ça c'est Palkia. Ah oui, Palkia, oui, alors, excusez-moi, c'est la. Comment on dit la... C'est quand ils se fusionnent. En fait, c'est la nouvelle forme qu'il y a sur le nouveau jeu. Est-ce qu'on est d'accord que le bas du corps ressemble à un Arceus? Est-ce que je suis pas la seule là? Oui, oui, bon, après c'est parce que t'as pas fait le jeu, mais. Non, j'ai juste regardé. Sinon, tu le saurais direct. Et Arceduc, du coup, en forme de essuie. Et il manque une illustration que toi, tu as en petit booster, comme ça, vous aurez vu. Parce qu'il y a 5 illustrations. Et du coup, il y a le Dialga avec sa forme origine aussi. Comme d'hab, on a des alternates et des petits jetons. Petits jetons aussi qu'on aura en quadruple, du coup. Ouais. Mais voilà, comme d'hab, beaucoup, beaucoup de cartes sympas à aller chercher. Et notamment dans les trainers galeries, il y a vraiment des très jolies cartes. Donc, on verra si on arrive à choper une alternate. Bon. Avec le temps, on commence un peu à désespérer. Alors, au niveau du code, tac. Pour l'instant, je me les garde un petit peu, vu que j'en ai pas encore ouvert. Allez, 1, 2, 3, 4. Et c'est parti pour le premier booster de B10. Avec l'énergie obscure. Une masse bol en dresseur. Le petit chaffreux. On va voir la petite plume bol qui était du coup présente dans le jeu, avec le design du coup d'Arceus. Krixic. Psychoquack, magnifique. Et là, on voit par exemple le décor de Arceus avec notamment les petites pierres qu'il y avait au bout de la mer où il fallait suivre pour avoir un légendaire, par exemple. Petit légendaire. Donc, Chlorobule. On ne citera pas le nom. Non. Serfrousse, pareil, bien présent dans Arceus. Ouais. En escouade, souvent, c'est pour ça qu'ils sont plusieurs. On va avoir Grelasson. Pareil, toujours pareil. C'est les zones de... en steppe, là, pour les camps, là. Exactement, dans la zone de neige, il y avait pas mal de petits camps. Ouais. Mais vous voyez, même les communes sont très jolies. On est directement sur la reverse avec le marais. Pareil, une zone présente dans le jeu Légende d'Arceus. Et première carte, on va avoir Seracrawl. Donc pas terrible. On a eu les petites évolutions de. On a eu Grelasson tout à l'heure. Mmh. Et on a son évolution. Mais même les communes, vous voyez, comme il y a les décors du jeu et tout en fond, je trouve ça vraiment très très stylé. Ouais, franchement, c'est cool. D'ailleurs, en gold, il y a 3 décors du jeu en carte gold dresseur. D'habitude, je suis pas hypé par les cartes dresseurs, mais celle-là, du coup, je les veux bien. À toi. C'est à moi. Allez. Ça, on va voir tripack par tripack si on a eu des ultras à chaque fois ou pas. Un petit furigon. Magnifique. C'est toujours une galère. Oh, je suis con. Toi, tu t'es fait spoil, mais t'as pas spoil. Oui, mais... Je ne passe pas pour eux. Après, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Allez. Ah oui, petite énergie. Piolet courageux. Bellila, la meuf du donjon. Exactement. Kirlia, bon, moi, fan. Furiglon. Le Quillfish. De Issuie, du coup, voilà. Une des formes de la nouvelle forme. Son évolution est dégueulasse. Ouais, je suis pas fan. Voilà, c'est fait. Brindibou.
Comme ça, on ne reviendra pas dessus. Ah, ben voilà. Ah, ben c'est. Putain, il y a deux cartes communes de mise. Ok. Ah, oui. Étonnant. Comment on dit? Moustillon. Ah, ben voilà. Oh là là. Alors là, j'ai fait le combo. Après, j'avoue que la carte est par contre assez jolie. La carte est jolie, mais je vous jure, si vous faites le jeu et que vous voyez, mais il est horrible. Mm-hmm. Franchement, il est horrible. Et du coup. Et le petit Regice. Tac. Alors. Il a vu en plus. Le petit caméral pour moi. Allez là. On est parti. C'est bien qu'on arrive au moins à avoir une ultra ou une trainer galerie par par tripack quand même. Ce serait cool. Ouais. Ou sinon vraiment une dingue. Ça suffirait, genre une alternate ou un truc comme ouais, ça. Ouais, ce serait bien. Énergie éclair. Le petit flèche, gros drive, Oursa Ring, très très belle. On a un feu faux rêve avec le bâtiment principal du jeu en fond. Ouais, mais c'est là où il y a le, j'allais dire le QG. Ouais, le QG exactement. Et c'est ce QG là qu'on peut avoir en gold en dresseur qui est magnifique. Barloche, Scalpion, un très beau Evoli. Ouais, ils sont tellement mignons quand ils sont en petite horde là dans le jeu. Là, on a un magnifique, celui-là il est trop beau aussi, c'est Scarino, avec du coup le mont. En fond, magnifique. Est-ce qu'on va avoir une trainer galerie derrière? Non. Oh, en coup, non. Il nous suit le coup de pique. Et... Oh, oui, Galam en holo. Cool. Elle est très très belle, franchement. Oh, elle est belle. Oh, l'effet de la lune et tout, ouais. C'est incroyable. J'aime beaucoup. Très joli holographique. Ouais, c'est déjà ça, franchement. C'est pas incroyable, mais une petite holo pour moi, pour l'instant. Cool. On va quand même la mettre sous sleeve. On a même pas mis les promos, sur ce. Non, on est prêt. Hop. Oh. Ça détruit le booster. Oh, du coup, holo, on considère que c'est un point, quoi. C'est pas, ouais. C'est pas dingue. Les V, hein, ça serait à peu près 2 points. Et à partir de trainer galerie, V max, etc., ce sera plus élevé. Mais bon, déjà, on verra si on en top. Magneton, très sympa. Roxanne, Togetic. Oh, il est magnifique. Vraiment très beau. Hippopotasse avec le dresseur qu'on joue dans le jeu, au fond. Donc, très sympa. Si tu veux faire un focus, do you want to do oui, focus? Voilà. Ouais, bon, alors ouais, très ça n'a pas duré longtemps, mais on l'a vu. Hérissandre. Un sécateur. Très très belle carte. Oh Caninos de ici. Il est trop beau. Mais... En vrai, je trouve qu'en extension sur les communes, c'est une des plus belles qu'on ait depuis longtemps. En plus, j'ai adoré le jeu. Ouais, c'est clair. Archéomir. Donc, pas de trainer galerie derrière. Oh, elle est très belle par contre. Avec Maté l'autre. Très très belle. Et est-ce que tu vas au moins égaliser? Non. Non. Apiral qui est quand même très très joli aussi. Oui, qui est quasiment impossible à avoir dans ce foutu jeu. Impossible, non, en fait, non, il y a des spots et... partout. On en a, t'en as pas croisé. Magnifique de sauvage. Si, tu peux la croiser en baron sauvage. Ah oui, en baron sauvage. Putain, ils sont et même, baron je crois que tu peux aussi. La croiser en classique. Voilà. Allez, on est parti. Est-ce qu'il va y avoir une ultra dans mon premier tripack ou on s'arrêtera à une petite holo? Bon, j'ai rien eu. Énergie plante. Mélocrit. Oh, quel enfer, je peux plus me les voir. Mais qu'est-ce qu'elle est belle la carte encore. Oui, la une carte fois est magnifique. Fossile inconnu. Archéodong. J'aime beaucoup le design aussi. Ouais, elle est vraiment cool. Scarino déjà vu. Teddy Oursa. Oh mon dieu. Il est mignon. Incroyable. Oh, trop belle. Démanta. Magnifique aussi, toujours avec les cailloux en fond. La forme d'issue de Voltorb, qui est vraiment sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Bargantua de issue encore. Et. Pas de trainer galerie sur mon premier tripack et il n'y aura pas d'ultra parce que oh on reprend une double. Ok, mon premier tripack j'ai eu une holo moi pour l'instant. Est-ce que toi tu vas pouvoir avoir une petite ultra, ça serait cool. Allez, dans le... J'aimerais bien. Pour le chat et Cédric, mais ça on a l'habitude qui squad nos vidéos. Et t'as qu'à offrir un petit code. Tac. Voilà. Ouais, tu vas pas nous faire un tripack sans rien, ça te ressemble pas. Bah non, mais alors là, c'est pour des qu'on s'inquiète, ça y est, je commence à... À perdre ta chance. Yamega, Marébouche B, Magneton, Hippopotas... On commence à revoir les mêmes cartes, un peu. Hérissandre, mais il n'y a pas tant de communes que ça, en plus, c'est dans l'extension. Ouais, pas commune, mais... Scalpion, Caninos, de l'issue, Voltorb, de l'issue... Pas eu de trainer galerie et pas d'ultra. Oh, toi, God tu n'as pas eu une seule holonia. Très joli roublard, mais bon, quand même. Oh, ça y est, j'ai perdu. T'as perdu la ton chakra. Ouais,
Allez, j'ouvre le deuxième tripack. Je me sentais pas en forme aujourd'hui. C'est la découverte, de toute façon, après, c'est. Oui. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'on regarde aussi toutes les communes, ces communes. Ouais, voilà, on découvre, voilà. Final, donc c'est quand même plaisant. Oh putain, pardon. Non, mais hop, j'ai un petit booster d'Alga. Donc on va l'ouvrir en premier. Hop. Tac. Ensuite. 1, 2, 3, 4. Et on est reparti pour un tour. En vrai, sur les. Parce que là, il y a quand même pas mal de boosters. Ce serait bien d'avoir au moins deux ultras et genre une ou deux traîneurs galerie quoi sur l'ensemble. Ouais. On va voir. Cormier, le fameux chef du QG. Ouais. Noirfang, Moustillon, on a déjà vu. Hout, très mignon. Ouais. On a un petit scalpion. Ah, oh, Medina, magnifique. Yanma. On n'avait pas vu. Pas de traîneur galerie encore. Et trop drôle. Pas d'ultra non plus. Et Regice qu'on a déjà eu. Les taux se resserrent. Là, il faut que ça tombe, hein, mon cœur. C'est tout pour, hein. Là, il faut. J'appelle en l'âme des cartes. Ça peut marcher, hein. Même si c'est du Lio à la base. Oui, mais on sait jamais, hein. Faut croire, hein. Elles ont des âmes quand même aussi. Ah. On nous défonce maintenant. De rentrer chez nous, apparemment. Loterie d'énergie, focus, frérot. Laisse un chouï. Là. Ferisson, Bédilla, Moustillon, Hout, Scalpion, Médiéna. On n'a pas à dire vraiment les communes Yamla. Sont très belles. Non, toujours pas de traîneur galerie et rien du tout. Très jolie carte de galop. Par contre, magnifique, mais par contre, je vais même pas me choper une holo. Pour l'instant, ça pique, ouais. Pour l'instant, une holo sur 3 et 3, 6, 7, sur 8 boosters, une holo. Ratio absolument infâme. Est-ce qu'on va continuer sur cette dinguerie de ratio? Je ne sais pas. J'espère pas. Ouais, j'espère que tout est là du coup. Après, il suffit d'une carte. Hein. Non, une très bonne sûr. Carte et ça rattrape le tout. Mais... La masse ball. Hippodocus. Un petit fortifiant obscur. Ah oui, je la voulais tellement. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Très très belle. Farfuré de Issui. Feu Forêve. Un petit barloche. On a un scalpion. Est-ce qu'on va avoir notre première traîneur galerie? Oui. Non. J'ai cru. Avec ce hout route. Et pas d'ultra. Et pas d'holo non plus. Aïe aïe aïe. Il me reste que 3 boosters de mon côté. Non, parce 4 qu'on a pour beau toi. Aimé découvrir les oui, nouvelles on communes. Veut quand même des ultras. On a quand même le seul. On là. Veut des ultras. Voilà. La découverte, c'était cool sur les premiers boosters. Voilà. Là il faut qu'on vous montre à quoi ressemblent les ultras. Sauf qu'en plus, il y a une nouvelle rareté de cartes qui est une sorte de carte shiny magnifique et tout. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui tombe en fait, la Pokémon. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Putain, c'est clair. Ah, tu nous as spoil. Oui. Je crois que j'ai vu que c'était blanc. Je crois que j'ai vu qu'il n'y avait rien. Ouais, peut-être ouais. Une traîneur, on sait pas. Ouais, s'il n'y a pas de traîneur galerie, t'as encore un booster à sec. Ah putain, ouais. Vraiment, j'ai un ratio éclaté. Chlorobule qu'on n'avait pas vu. Trelasson. Hippopotasse. Oui, il y a un booster s'en vient encore. Oui, coup dur. Oh. Ouais. Alors là, j'aurais c'est mieux le fait dernier booster de mon tripack. De ne pas me lever ce matin. Dernier booster du tripack. Après, en vrai, toi, t'as eu une holo, mais je veux dire, en vrai, là, si t'as rien. Là, il faut une ultra. Dans celui-là, ça te fait quasi. T'imagines, moi, je suis. Là, si là, là il faut que ça, sur je nos... suis à deux tripacks à il, vide. Il faut, voilà, il faut que sur nos deux boosters, il y ait une ultra à chaque fois. Pour, mais pour avoir un truc, quoi. Énergie, fossile inconnu, ou une dinguerie d'ultra, quoi. Oui, voilà. Et flèche, gros drive, beau drive, similar. Oh, il est trop mignon. Happy Trini, Tarsal, ah, j'ai quelque chose, moi. Oui. On a Goupilou, donc. Créfadé, et on va voir la première ultra. C'est pas une V classique, c'est une veste. V-Max, je pense. Oh, une secrète. Bien. Maconeur bon. V-Max. Ok. En plus, c'est Maconeur, c'est quand même cool. Ouais, en rainbow comme ça, elle est cool. Ouh, petite secrète. Yeah. Ça rattrape, ça rattrape.
Ok, secrète, c'est beaucoup de points. Hein. Non, ouais. Donc, non, mais là, ça va être... marquer ce jour comme la seule fois où je vais te battre. Ma première défaite. Harry, il te reste 3 boosters. Ouais, mais bon, je sais pas. Là, il te faut une alternate. Là, il te faut une alternate. Et ça me ferait grandement plaisir que tu me gagnes si tu me sors une alternate. Ah, petite secrète. Ok, c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir eu quelque chose sur cette première ouverture. Ouais. Oula. Défoncer le truc. Ah, mais putain, la carte Vestar, ça fait un moment. Ouais. Est-ce que ça va porter bonheur ou pas? Ça, on sait pas. Des flèches. Une petite trainer galerie, même classique, ça serait chaussures cool. Chaussures de randonnée. Clodule. Grelasson. Hippopotasse. Hérissandre. Scalpion. Oh! C'est la nouvelle rareté! Oh, je la pensais pas si près. Du coup, c'est pas le meilleur. Mais on peut vous montrer la nouvelle rareté. Donc ça remplace la traîneur galerie. Ok, alors je pensais que ça remplaçait l'ultra. Du coup, je suis allée hyper vite. Regardez cet effet. Mais en fait. C'est trop beau, je trouve. Hein. Toi, ouais, t'es pas fan? Ah, si, mais j'essaie de trouver un adjectif, j'ai pas trouvé. C'est hyper beau. Des radieux. Bon, t'as pas eu le meilleur. Des radieux. Ah non, mais... clairement pas, non. Mais on a un radieux, quoi. Et pour vous donner une idée... C'est ma passion des volatiles. On va essayer de faire le focus. Ça se voit pas très... Si, là, on le voit. Vous voyez, le bord jaune, en fait, ça fait comme les ultras de célébration. Il y a des textures même sur le bord jaune. Ouais, elle est full couverte du... Ah, mais tu sais que je suis content, en vrai. Parce que ça, c'est la nouvelle rareté, au moins. Ouais, mais j'ai quand même perdu. Voilà. Non, allez, et tu sais quoi? C'est une nouvelle rareté, je connais pas le trop drop. On va dire que c'est un peu moins bien qu'une secrète, parce que secrète, je pense que c'est plus rare. Mais ça vaut quand même un bon 3 ouais, points. Ouais, mais j'ai eu que ça. Un bon 3 points. Ouais, mais ça veut dire que si tu chopes 2 traîneurs galeries ou quoi sur les derniers, on sait pas, tu vois. On sait pas, c'est vrai. Donc, très content. Ah, c'est bon, cool, au moins. On respire. Maintenant, non, parce que quand il y a eu le début des Vestars, on a mis 1000 ans à avoir une Vestar, tu vois. Ouais. Donc là, pour le coup, elle a arrivé la nouvelle rareté direct. Vite. C'est cool. Bon, ça permet de respirer un peu. On a eu 2 ultras. Là, sur les 4 derniers boosters, si on peut avoir une ultra en plus, ça sera une ouverture correcte, on va dire, sans être exceptionnelle. D'accord. On est parti. 1, 2, 3 et 4. J'aimerais bien une vraie trainer galerie, moi. Hein, parce qu'elles sont toutes belles en plus, les trainer galerie. Ouais, elles sont vraiment belles. On est reparti avec Dino Plié, Selena, Chaffreux, Smullarbre, Apitrini, Tarsal, magnifique. Goupilou. Oh, Togepi, elle est très très belle. Et pas traîneur galerie encore, avec un Mateloutre. Et derrière, Hachécateur, qui lui existe en traîneur galerie notamment, et qui est assez incroyable. Allez, 3 boosters pour espérer encore. On a le droit de rêver. Bah, il faut. Hein. Jusqu'à la dernière seconde, faut y croire. La vie s'arrête. Hop, je regarde pas, on déplace ici. Allez, une petite trainer galerie, les gars. Allez. Temple de Simon. Cranidos. Qu'est-ce que il veut pas ce focus? Aquaquac. Furéglon. Ponita. Très belle. Trop belle. Pijaco. C'est bien, alors on en prend quelques-uns qu'on n'avait pas vu. Ouais. Archéomir. Brindibou. Ah, j'y ai cru. Non. Et non. Oh, yeah. Ouais, le dernier. Il en reste un encore. Est-ce qu'on fait pas le dernier ensemble? Ah, on le joue en même temps. Ouais, si tu veux. Ça peut-être nous porter de la luck. Je sais pas, voilà. Tu fais une ouverture en duo pour la fin. C'est trop, on va finir avec 2 ultras. Ça serait beau. Regarde bien le paquet serré. Attends, je vous montre le code. Celui-là est pour vous. Tac, je le mets à part comme ça, il va la poubelle direct. Et à toi de montrer ta carte. Ça va être serré. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, attendez, dégage. Je fais pas comme ça parce que j'ai pas la place. Tiens, vas-y, regarde. Hop. Ouais, t'inquiète. T'es bien là? Ouais, j'arrive. Ouais, ce serait bien qu'il y ait au moins un truc sur le dernier booster. On va croiser. Allez, t'es prête? Attends, énergie obscure. Décale-toi. Ok. Parfum inhibiteur. Rusticité. Cochignon. Et flèche.
Vitalité de Flow. Gros Drive. Voltorb de Issui. Quillfish de Issui. Chaglam. Bargantua de Issui. Un petit marque à crin de mon côté. Mediana. Piejaco. Chaglam. Ponita. Yamna. Une vieille dresseur dégueulasse. Oh, t'as une traîneur galerie. Enfin. Oh, j'en parlais tout à l'heure, elle est incroyable. Et je crois que t'as quelque chose derrière en je plus. Je crois que j'ai encore un truc. Vas-y, lève-toi d'abord. Moi, je crois que j'ai rien. À Pyrène. Et vas-y, toi, doucement. Je crois que c'est une full art. C'est une dresseuse full art, je pense. Ouais. Et c'est un petit lino full art. Eh bien, en vrai, là, le dernier booster, t'as tout donné. J'ai tout donné. Yes. Magnifique. Bon, ça va, j'ai pas tout perdu, finalement. Non, non, du tout. Et en vrai de vrai, je dirais que tu gagnes l'ouverture, pour le coup. Ah, alors ça se joue à un point parce que t'as quand même une secrète, hein. C'est énorme. J'ai une secrète, ok. Mais... ou est-ce que c'est une belle égalité? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Faudrait... non, mais il va falloir que pour les prochains trucs, on fasse un vrai barème. Il va falloir retrancher, ouais. Parce qu'en vrai, dans ma tête, je me serais dit, holo, c'est un point. V et traîneur galerie, deux points. Donc là, ça ferait 1-2. Full art, etc. 3 points. Sauf qu'on en rajoute celle-là, donc t'as fait 6, t'as 8. Et ça, moi, c'est 5 points. Et moi, si c'est 5 points, je suis à 6, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, donc égalité parfaite. Non, du coup, tu gagnerais. Parce que pour moi, ça vaut 3 points et 3 points, tu vois. Ah, donc 6. Et même si lui, on connaît pas le taux drop, même si tu le mets en 2 points, t'as 4 et 7, et moi, j'ai 5 et 1, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'est une petite victoire de Tio-Tio. À voir ce que vous en pensez. Et... qui est le grand vainqueur, voilà. Dites-le nous en commentaire. On se redépartagera peut-être. Définissez-nous un barème, ça nous aidera. Non, mais c'est juste lui en fait que j'avais pas prévu dans le barème. Bah, parce que je connais pas du tout son taux de drop. Ça se trouve, c'est aussi rare qu'une secrète, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je sais pas, faut la qu'on voit. Mais en tout et cas, si ouais. Si c'est le cas, je t'explose. Magnifique, ouais, c'est incroyable. Non, ça va, purée. Ouais. Les gars, ceux qui ont tenu jusqu'ici. Mais ça va, ça va. On a ouvert. 8 boosters, 16 boosters. Ouais. On a 5, allez, on va dire même 4 ultras. Si on enlève Lolo. Si t'enlèves Lolo. Ça fait une ultra toutes les 4 boosters, c'est largement ok. C'est ok, c'est ok tier. Sachant qu'il y a une secrète, donc ça c'est vraiment cool. Qui a la nouvelle rareté qu'on en parlait, ouais. Donc je suis content d'avoir pu vous la montrer. Une trainer galerie. Une trainer galerie qui est. Incroyable. Et une dresseur. Donc en vrai. Et bon, après Lino, il s'en fout. Il a un nom de parquet, mais. Il y avait... ce n'est pas du parquet, c'est du faux parquet. Il y avait mieux comme dresseur full art à avoir, il y en a 2-3 que je cherche vraiment, mais ça reste, c'est quand même un dresseur full art. Non, ça va. Et la galère est très jolie. Ouais. Mais écoute, on finit bien, on a eu très peur. Ouais, on a commencé à transpirer là, les enfants. Mais à la fin, t'as sorti le booster qui a carry avec trainer galerie ouais, et full art. Ouais, mais j'aurais tellement aimé avoir pas une dresseur. Pas une dresseur, un Pokémon, oui, ça aurait été encore mieux, c'est sûr. Mais c'est une belle découverte quand même, non, ça nous fait quelques petits pour la découverte, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Il y aura sûrement d'autres ouvertures là-dessus, peut-être pas de suite, parce que je crois que le TP, elle sort que en mi-juin. Ben donc je sais pas quand est-ce qu'il y aura de nouvelles ouvertures de ces boosters. Il y a un coffret Lucario V-Star que j'aimerais avoir, au pire je prendrais des petits boosters en plus, et il y aura un peu de tout comme ça. Ouais, faudra qu'on voit. Donc ça devrait pas trop tarder la prochaine ouverture quand même. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, encore merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, ciao. Ciao.